obtenir les images de cette rencontre. The players are all sort of laughing. Now they say he's scheduled to play Indianapolis. By that they mean this is going to be his first tournament after Wimbledon on a hot, sticky, dirty clay court in America, and everybody's going to be out to beat him. And they don't think he's that, you know, that dominant a player yet, and so they're all looking to play him. He will now become what they know as a good win. Noah back on serve, 3-4. Ah, il a des jambes fantastiques, Raete, on a pu le constater sur cet échange. Parce que vraiment, Yannick avait très bien joué le coup, là. Il a un jeu défensif exceptionnel. Regardez le déplacement de Raete sur cet échange. And right there, he doesn't do anything with the volley. Turns 180 degrees, pushes off. But Raete has gotten the ball cross-court. Mais nous n'avons vu que la présence de Yannick Noah au filet, qui est impressionnante. En tout cas, c'est une des qualités de l'Argentin, de très bien savoir se déplacer sur les terrains en terre battue, en tout cas. Égalité 15 partout. It's a special thrill to see this crowd completely sold out. 35 sur le service de Noah. 200 with the ball boys and the photographers. And on a backcourt directly behind us, they're giving a tennis clinic. And there's about 20 kids out there taking lessons from the local teaching pro here. Only in tennis would you find that. 20 yards away, they're playing the finals. Who knows, maybe there's a budding Yannick Noah or Martin Haite next door. But it's fascinating to look over our shoulders. Il a tout de même beaucoup de déchets sur sa première balle de service, Yannick. They're giving a clinic on the outside court to the juniors. And Noah starting to dominate. Mais il est comme tous les joueurs, comme tous les grands joueurs modernes maintenant, c'est-à-dire qu'il assure une bonne deuxième balle de service. On a pu le constater à Wimbledon. La plupart des grands champions sont maintenant capables de jouer des deuxièmes balles de service qui, il y a encore 4 ou 5 ans, n'auraient été que des premières. Mais la première ne passe pas, en tout cas. Quelle faute. Noah doesn't believe it. Noah is not going to take that call. Alors qu'elle est probablement donnée bonne. Your umpire asking to see a mark. On va demander, il demande à l'arbitre de venir montrer la marque. C'est le coup classique sur terre battue, mais je vous le répète, ça ne signifie pas grand-chose. En tout cas, c'était tout de même un lob fort bien ajusté parce que, non, je ne peux pas juger vraiment, parce que Yannick Noah n'est pas facile à lober. Hein. Ça, c'est le Yannick Noah en pleine possession de ses moyens. Superbe athlète que l'on est ravi de revoir au meilleur niveau. Mais c'était aussi là une superbe deuxième balle de service. Et Yannick Noah qui revient très très bien dans ce premier set. 4 jeux partout, alors qu'il a été largement dominé au début.
mais qu'il ne s'est pas paniqué, il est toujours resté en tout cas très concentré. Alors que l'on nous rappelle que Donald Dell nous dit que le champion qui avait remporté Washington l'année dernière, c'était Andrés Gómez, l'équatorien, un très bon joueur lui aussi. Rien à 30. Raété, je vous le dis, parce que sur cette sur les images, parfois, il apparaît petit. Or, c'est même un garçon qui mesure 1m80. Ouais, c'est un peu juste l'attaque de Yannick en EA. Yannick en EA, pardon. De Yannick au filet. Sa balle n'était pas assez longue. Il est parti de trop loin là pour bien prendre le filet, Yannick Noah. No pressure there. Noah's ball too short. When you slice the ball and come in, it's going to hit on clay and sit up. You got to keep it deep. 15-30, 4-all, first set. Yannick qui fait un petit peu de provocation là en disant à l'arbitre, eh bien cette fois vous l'avez bien jugé. Et c'est un double break possible pour Yannick Noah sur le service de Raété. Raété dont la longueur de balle c'est un petit peu diminué, ce qui explique que Yannick Noah peut reprendre l'initiative dans cette partie. Oui, c'est moins long, elles sont moins longues les balles de l'Argentin. Et ça permet de meilleures attaques de Yannick Noah qui prend le service de Raété pour mener par 5 jeux et qui profite fort intelligemment d'une légère baisse de régime de l'Argentin dont je vous l'ai déjà dit, la balle est un peu moins longue. Oui. Très bonne première balle de service. Quant à rien, bonne présence de Yannick au filet. Ça prouve qu'il est en bonne possession de tous ses moyens. Il a joué ses deux interventions au filet avec beaucoup de confiance. Ouais, magnifique enchaînement, bonne première balle de service. Bonne prise du filet avec une volée de revers croisée contre laquelle Raité ne pouvait rien. And there is the replacement. I'm sorry, I don't know his name, but they have a new linesman now on that baseline. Voici donc Noah, tout près de remporter le premier set. I think it is. They may have adjusted. That other fellow may be on the sidelines now. I can't see from here, but they may have changed him around. Voilà, premier set pour Yannick Noah sur un lob trop long de Raité. Yannick Noah
Yannick Noah qui gagne ce premier set alors qu'on le voyait il y a encore 10 minutes à peine, bien mal parti, enfin disons un quart d'heure, il était mené 4 jeux à 1. Il a profité d'une décision d'arbitrage qui lui a été favorable et d'une légère baisse de régime de raïté pour revenir bien dans la partie et gagner la première manche. Is that typical or atypical of most pros? 15. Oh, I think it's very atypical. I mean, you're taught that that's why you have linesmen. Play to the linesmen. Don't get into umpiring and officiating because sometimes you're wrong. And play to the calls. Égalité sur une amortie qui reste bloquée dans la bande du filet. Now what Noah does not want to do is relax here. He's finally got Haite under control for the moment and he cannot afford to relax. C'est rare de voir Yannick rater un smash qui était relativement facile pour lui. En tout cas, c'est lui maintenant qui porte les accélérations et c'est lui le patron sur le terrain. Will ask other players during the day how this guy plays. He's probably call one or two others to see how he plays. Voilà, ça c'est le vrai visage de Yannick Noah, extrêmement présent au filet, se servant bien de son coup d'œil, de son adresse et de son envergure. Regardez comme il se replace intelligemment pour faire cette volée croisée amortie. Ça prouve qu'il est en pleine confiance, qu'il est maître de son jeu. Aïe, 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 oui, ça démoralise Raete. C'est tout de même souvent sur le revers que vient la faute. Haite battling back after leading in the first set 4-1 and watching Noah reel off five straight games to win it 6-4. Haite up 40-30 in the first game of the second set. Ah oui, il a très bien construit son point là, Yannick. And Noah with the tremendous reach and quickness. The guy his size, he moves off. Regardez comme c'est bien fait, bien joué, il est bien placé, il est bien en appui. Il met tout de suite Raete en difficulté. Yannick, sur ce jeu-là, est tout à fait redevenu lui-même. Ah, le public est ravi, c'est une belle finale avec des échanges qui sont parfois très spectaculaires. Regardez comme il se déplace bien, Raete, il va chercher toutes les balles. Il réussit un bon lob. Steps in, the ball short, and bangs it away.
advantage to Martin Haitink. Just out and reduce. Égalité. C'est un très très beau jeu en tout cas. On joue bien des deux côtés. Avantage Noah, alors que le Français a remporté la première manche par 6 jeux à 4. Et avantage Noah sur le service de raeté, eh bien ça fait en langage tennistique un break point. Voilà, et Genoa qui commence bien ce deuxième set en prenant le service de l'Argentin. Genoa qui mène donc par un jeu à rien dans la seconde manche. Voilà, et nous retrouvons Yannick Noah au service. Ah oui, il avait retourné trop la réalité. Jimmy Connors was also a house guest at the Dell residence. Is he gone elsewhere? He left late this evening to go to St. Louis. Son, 15 off. Meet his wife and daughter and his mother. Oui, il me semble que c'est la première double faute de Yannick Noah. Elle n'est pas sortie de beaucoup, hein, cette balle. A lot at stake. $34,000 to the winner, $17,000 to the runner-up. More than that, he'd like to win his first major Grand Prix championship ever. Great for his reputation, for his ranking, and for his confidence. Toss comes through with pushes off into the court, sprints to the net, makes that little half volley. I take coming in can go either way and plays behind him. He had that point either way. 30 all. Beautiful backhand by Martin Haitink. And this match continues to ebb and flow the fortunes of Noah because Haitink's coming back. 30-40 break point for Martin Haitink, trailing 1-2 in the second set. Oui, c'est un break point pour l'Argentin Raeté sur le service de Noah. Again, very smart play by Noah. Eh oui, et de nouveau égalité. C'est une occasion pour l'Argentin de prendre le service du Français. Noah serving a deuce. 2-1, second set. Let's watch and see if he goes for a flat serve or a spin American twist. That was a spin serve. Noah thought that serve might have been in. Il l'avait vu bonne, Noah. On the line.
Rich Kaufman is telling Noah that the mark is behind the line. Alors que l'arbitre indique que la marque est derrière la ligne. Yannick est un petit peu en délicatesse avec l'arbitre là. Ah. That means Haite thought it was good and gave him two serves. That's what that means. Ah, Haite vraiment un type formidable. Il redonne deux balles à Yannick Noah. Vraiment un grand monsieur, ce jeune garçon Haite. Très fair play. A lot of people in this crowd pulling for the young Argentinian. See, here clears Noah right on top of the net. He hits that kicker. Haite can't handle it. Avantage Noah. Il faisait très très chaud et très humide, hein, ce qui explique que Noah transpire beaucoup. Regardez la présence de Noah quand il prend le filet dans ces conditions. C'est une gifle qu'il donne à la balle. C'est vraiment très beau. Hein. Ah oui, jeu Noah sur une très belle volée basse. Amorti, la confiance totale qui revient dans le jeu de Noah. Et ce tournoi de Washington aura été vraiment parfait pour remettre Yannick Noah sur le bon chemin, si je puis dire, parce que c'est un tournoi suffisamment difficile. Il a tout de même fallu battre Krijgsten, qui n'est pas le premier venu, qui est un inlassable renvoyeur du fond du cours, surtout s'était abattu, et puis surtout battre Connors, même si Connors, ça n'est plus ce que c'était, ça reste un grand champion. Et maintenant, Yannick Noah semble imposer sa présence athlétique à l'Argentin Raete. Led in the first set, four games to one, and 35. Noah, five straight games to win, 6-4 in the opening set, won the first two games of the second set. He leads 3-1 the second set. See how aggressive Noah's being now. He's taking the second serve of Haite and coming in when he can. Noah's got it. Mais c'est joli en tout cas. Beautiful play. 40-15. C'est pour toutes ces raisons que Yannick Noah est extrêmement populaire aux États-Unis. Quel retour de service. Heard somebody say give the kid a break. Yeah. Don't want to give him too many breaks, he'll beat your brains out. He is no kid. A marvelous athlete, Martin Haite. Great sport. Big point for game to Haite here. Ball high and deep. Oh, just missed it. C'est dommage. Et là encore, il avait bien préparé sa montée au filet sur une très bonne attaque. Et oui, ça c'est vraiment pas de chance, comme l'a dit Donald Dell. God bless you. Ça. En tout cas, c'est un point important là qui vient d'être perdu par Haite, donc peut-être va savoir profiter Yannick Noah, sûrement même. Non, avantage Haite.
Ça, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise. And again, we're at deuce. Ah ben voilà, égalité. Quel sacré coup vient de faire Raïté, là. Regardez ça. Regardez quel angle il va trouver. Un coup de bras fantastique de Raïté. Et voilà, Raïté gagne son service, il l'a bien mérité, il s'est bien battu. Mais c'est tout. Right now must really concentrate hard for this game. He's up 3-2 on serve. And he wants to hold for 4-2. Last year Noah had to pull out of this tournament because of a torn stomach muscle. Despite playing in pain most of the year, he played in 11 tournaments, compiled a 23-11 match record, won nearly $148,000, and was ranked 10th. But he was not at full strength physically. Again, Haite has been backing up on that kicking serve by Noah. He keeps backing up. And you see, the players watching these matches, Mel, will figure out a way to play Haite now. That's a whole new approach. Just spin the ball like a second serve in doubles, kick it high and make him hit it up around his shoulders. He's much, much tougher when he's returning a flat serve. Double fault. Ah, c'est la deuxième double faute, là, Yannick. Second double fault by Yannick Noah. Noah cannot afford to relax. Saying these players have scouting reports on one another just like football, basketball, and baseball teams do. Absolutely. They have their coaches watch and they watch in groups. And they'll pick this up. And it's so obvious that Noah's changed his style of serving this whole second set. Now there he's gone back to the first one. Normally he's been spinning that ball. Great touch on that ball by Noah. Boy, that is such a tough volley. He's in close like that, hits that little angle, and it just dies on the clay court. Noah's serving 40-15, 3-2 second set. Game, Noah. Game to Yannick Noah as he takes a 4-2 lead in the second set. Oui, Yannick Noah qui a, semble-t-il, pris complètement l'ascendant maintenant sur son adversaire qui mène par 4 jeux à 2. Et qui joue de plus en plus en confiance. S'il a sans doute douté un petit peu de lui-même au début du premier set, au cours duquel il a été mené par 4 jeux à 1, je pense que maintenant, dans sa tête, il est persuadé de remporter son deuxième tournoi du Grand Prix de l'année, le précédent étant celui des internationaux de Rome, juste avant Roland-Garros. To the $35,700, the winner of this tournament gets 238 Nabisco Grand Prix bonus points, and we'll talk about that later. But those bonus points really add up. The runner-up gets 166. Oui, bon contre-pied de Raïté. Il n'y avait rien à faire là. Il n'attendait pas là, Yannick Noah. Il a tourné son revers, l'Argentin. And there's a quick ace. He slid that ball in fast, down the center, off the line. Fourth ace served by Martin Haite. He leads 40 love. Certainly fresh and not tired.
Game, Haite. Game to Haite. Noah leads 4-3. Voilà, et jeu pour l'Argentin Haite qui compte direct ce tournoi de Washington. 15 love. It is absolutely astounding to me that Haite cannot return very well that bounding serve. That's changed the whole complexion of Noah's serving and the match. He's just kicking it in like a double serve. Spins it in. Finally, Haite nails one. Why is that, sir? Why would that serve be more difficult for him to return than a straight, powerful serve of Noah? All right, watch it right here. Noah with the spin serve. It does two things. It bounces and kicks up high. Haite there stepped back and nails it. But it also, besides hitting real high at his shoulder, it gives Noah a little more time to get into the net. He closes quicker. Gives him an extra two steps. 15-all. That's not bothering Noah at all. Noah de plus en plus confiant et qui monte au filet sur ses deuxièmes balles de service, avec succès d'ailleurs. On sent le doute s'installer sur le visage de Raete. Il n'a pas de chance, Raete, ça fait deux fois qu'il arrive en finale, deux fois qu'il est battu. Une fois, je crois, par Vilander, une autre fois par Yannick Noah. 40-15, Noah leads 4-3 in the second set. Here we'll see it right now. A little shorter toss. He comes through it faster. More of a slice there than a twist. There's another slice, but he missed it. Ball. With a marvelous angle. Très bien fait là, le revers très croisé de Raete alors qu'il paraissait en difficulté. Elle est pas assez profonde la volée de Yannick Noah, enfin pas tout à fait. Il s'attendait d'ailleurs pas à la voir revenir dans un angle aussi fermé. Content de lui là, Raete. Il y a de quoi. Voilà, vous savez tout grâce à ces incrustations. Dont les télévisions américaines sont passées maîtres. Il y a différentes écoles, il y en a qui disent mais il y a trop d'incrustations, on ne voit plus l'image, et puis il y en a d'autres qui disent c'est formidable, ça apporte un complément d'information à l'image. Enfin, on va pas installer un débat là-dessus. Je vous rappelle que c'est une finale qui se joue en 2-7 gagnants. Oui, pas de chance. Et comme le dit Donalden, il avait besoin de ce point pourtant, Raete, là. 0-30 sur son service alors qu'il est mené 5 jeux à 3. Noah qui reste et qui cherche à rester parfaitement concentré. Noah qui est vraiment le patron au filet. Et voilà, 3 balles de match pour Yannick Noah.
Raete qui vient de sauver sa première balle de match. Double match point. For those of us who've never played in a championship like this, Sir Tom, what must the pressure be like if you're marking Haite right now? Enormous. Got a second serve. Down match point. Noah is poised. Kicks it in. Allez, faute, et Yannick Noah remporte donc ce tournoi du Grand Prix, ce tournoi de Washington, qui le replace maintenant parmi les 8 meilleurs mondiaux. Il a gagné 2 places au classement ATP. Il est 8e et ça le prépare très bien